mon pays à l'Union européenne, c'est un grave problème. Merci, chers collègues. Je donne à présent la parole à Monsieur Andrieux, au nom du groupe socialiste et démocrate. Vous avez une minute, monsieur. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Merci tout d'abord à Nicolas Caput pour ce très très bon rapport. La population agricole européenne ne se renouvelle pas. Voilà le constat qui est fait, et il n'est pas nouveau malheureusement. Depuis plus de 50 ans, le développement agricole appuyé par la PAC a favorisé la concentration et l'agrandissement des exploitations et a conduit à une forte capitalisation qui a rendu certaines exploitations difficilement transmissibles. Or, la question du renouvellement des générations, et on le voit aujourd'hui, est un problème crucial pour notre sécurité alimentaire et il l'est également si l'on veut maintenir des territoires vivants. Face à ce défi majeur, nous devons mettre en place une politique volontariste qui combine des instruments européens avec des dispositifs nationaux afin de garantir un meilleur accès aux terres, au financement et à la formation. L'entrée de jeunes dans l'agriculture est un élément de dynamisme et d'innovation essentiel si nous voulons favoriser une mutation de nos modèles agricoles. Il faut le dire avec force, comme le fait Nicolas Caput. Le renouvellement des générations est non seulement souhaitable, non seulement possible, il est essentiel, Monsieur le Commissaire, et merci d'en tenir compte dans votre proposition législative. Merci beaucoup. Et adesso, en nom de... Au nom de la LDE, je donne la parole à Monsieur Huitema. Vous avez une minute, monsieur, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Dans le secteur agricole, l'âge moyen est extrêmement élevé. 60%